Eh bien, salut à tous les gars, c'est Axe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez, avec Anjarensan Pantano, vêtu du maillot blanc à bord rouge qu'il a remporté l'année dernière. Je sais plus si c'est lui ou Rafa Maïka, mais en tout cas, l'ancien vainqueur d'étape. Nous, on emmène pour Dungeon-Colb et on va rattraper Sylvain Chavanel qui commence à faiblir de son échappée. Vu qu'il a été tout seul toute la journée, il a laissé taper les 170, 160. 160 bornes, j'ai calculé à peu près, un peu moins, ouais, 150 bornes tout seul à l'avant, c'est compliqué. Mais moi, est-ce que Van Kersbom sur le tour qui a fait Le peloton réduit l'écart 200 et quelques petit à bornes tout petit. seul? Et on a Mathias Goeggel qui amène un très fort gros braquet du rouleur autrichien, puncher autrichien, pardon. Vous connaissez le train maintenant. J'ai mis Aymar Zoubeldia normalement pour rouler en premier, mais bon. Le train marche très bien comme ça. C'est qui roule pour Adam Hansen? Pourtant, Adam Hansen est le meilleur rouleur. Marcel Siberg après. Et j'ai oublié de jouer le sprint intermédiaire. Nous Donc, sommes à j'ai dû perdre 15 km de quelques points l'arrivée. sur Marcel Kittel. Non, il n'était pas tout seul, il y avait Martin Burger, désolé. Ouais, Kittel qui a pris que 6 points, mais c'est Greipel surtout le souci. Va se demander s'il n'est pas repassé premier, mais de toute façon, on verra bien. Ah, si je peux repasser, si mes coureurs c'est mieux. Mathias Goeggel qui emmène très bien, il fait du très bon boulot. C'est Marc Rencho, je comprends pas L'échappée pourquoi il est est pas passé en terminée, pilote. le groupe vient d'être repris. Allez, il n'y a pas devant, il y a 1 km/h devant. Encore 10 km à parcourir. Donc on emmène à fond. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'étapes de plat où il y a eu des cassures ou quoi. Non, presque pas, il y en a une. C'est pas beaucoup sur 9 étapes, Les je coureurs arrivent m'attendais dans les à 8 derniers 16 étapes de kilomètres de plat. l'étape qui va sans Qu'il y en ait doute plus ça. se terminer par un sprint massif. Et il aura fait un bon boulot, Koné, à pouvoir lâcher. Et à pouvoir lâcher. Mathias, et à pouvoir lâcher Koné de coup. Décroché! Un leader vient de se faire décrocher. Je sais pas qui c'est, mais je pense pas que ce soit un leader. Mathias Goeggel qui va pouvoir passer la main à Koen de Kort, on va donner les gels, désolé, petite pause pour donner les gels. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Désolé pour la pause. Écarte-toi, bloque les soudeurs, mais pas. Obligé de. Ah, désolé. Je vais voir qui c'est qui emmène devant. Parce que Stephen Cumming qui a l'air de partir hein, avec Thomas de Rent et Zenek Tiber. Dans ce petit jeu, c'est Tiber qui est là. Ouais. On est bien revenu dessus. Hop. On a bien lancé Koen de Kort. Ah, j'ai l'impression que John va se faire enfermer. Fabio Fellini qui lance. Pour relancer tout le monde. 1,5 km. C'est Allez John. parti pour le Allez John. sprint final. Allez pour Qui va toi. être le premier sur la ligne Avec le aujourd'hui? plus 2. Oui. Un André dans la roue. Donnez. Non, c'est pas McLean qui va. Non, Marc. The Man of Man. Qui. Belle Marc victoire. Il a Cavendish, su vainqueur à économiser ses Bergerac. efforts. C'était sûrement le plus On malin finit aujourd'hui. 3ème. Sûrement qu'on va perdre le maillot vert. Maillot vert. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, André était plus fort. Bon, après, on se reglitch, ils sont pas loin. Voici maintenant les points forts de la course que nous avons sélectionnés et qui retiendront probablement votre attention. Hop là, on va voir les podiums. Suspense, on a perdu le maillot vert.
Mayo, y a pas de souci. Mayo, ça non plus, y a pas de souci. Ouais, on le perd pour 3 points. Bon, c'est pas grave, il y aurait plein d'étapes. Cavendish est plus fort, bien sûr. Là, il a été plus fort, ça c'est sûr. Donc, on va voir la prochaine étape, le profil comme d'habitude. Une étape de plat entre Aimé et Pau et la deuxième étape est un peu plus. C'est un faux plat descendant, donc Cav a encore une chance. A encore une chance de s'imposer. Bon, je vous dis.